ton public qui t'attend. Bonjour. Alain Bouvard, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous ? C'était pour mon mari, Monsieur Froissart. Franck. Oui, le docteur va vous recevoir dans la salle d'attente. Merci. Quelle idée de foutre des clowns dans un endroit pareil ? Regarde comme ça les rend heureux. Comment ça va? À ton avis? Toujours aussi optimiste? Difficile de l'être avec toi comme médecin. De nouveaux résultats? Non, pas pour l'instant. Mais on reste sur ce qu'on avait dit. Hospitalisation sous le traitement d'essais cliniques. Génial. Et vous pensez que ça suffira? Je sais pas. Le cancer est à un stade très avancé et c'est la première fois qu'on utilise ce traitement. Il y a toujours la chimio. Arrête. Pourquoi le cancer ne régresse pas? Dans le cas de Franck, c'est assez compliqué, mais je prendrai le temps de vous expliquer. Je vous présente Anne, c'est elle qui va s'occuper de vous. Bonjour. Et moi je vous revois tout à l'heure, d'accord? Merci Anne. Je vous laisse me suivre. Détendez-vous. Aïe! Ne bougez pas. Mais où est-ce que vous avez après faire des piqûres, vous? En lisant Martine Infirmière? Mais je vous ai même pas encore touché. Mais foutez-moi la paix. Bon, je vous laisse tranquille. Mais je repasserai. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu dois désagréable... Ça va aussi pour toi. Je vais voir le docteur. Ça va pas, non? Ça te fait marrer, très fin. T'as pas des gosses à les faire marrer, plutôt? Et au moins, ils ont encore de l'espoir. T'as qu'à lui dire que tes clowneries, ça fera sortir du commun. Ça lui remontera le moral. Ben la prochaine fois, essaie d'être drôle. On peut faire venir un psychologue si c'est trop dur à gérer. Il l'acceptera jamais, tu le connais. Demain, on aura les résultats des tests. Et à partir de là, on pourra faire un premier bilan. En attendant, il faut que tu sois forte. Je sais pas quoi faire pour le monter le moral, je sais. Que c'est difficile, Lucie. Mais il faut à tout prix qu'il soit bien entouré, qu'il soit positif. C'est primordial dans ce genre de pathologie. Je sais pas.
Vas-y doucement, il a l'air fragile. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. On n'est pas tous courageux comme toi. Vous avez pas de boulot, quoi, vous ? Ah, c'est comme ça que les clowns survivent, hein, en faisant du chantage, c'est ça ? Bon, allez, allez, c'est rigolo, filme-moi ça, j'ai faim. Non mais, sérieusement, j'ai pas envie de rire, tu comprends ça ? Et pourquoi tu parles pas au lieu de faire le muet débile ? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, je t'écoute. Ouais, c'est ça, ouais. Dégage ! Mais fous-moi la paix, nom de Dieu ! Bon, j'ai les résultats des premiers tests. Alors ? Le bilan est assez mauvais. Comment j'étais ? Je savais que c'était des conneries. Franck, je t'en prie. C'est ça, ouais. Un traitement miracle au cancer. Mais comment j'étais assez con pour vous croire tous les deux ? C'est pas le moment. Tu crois qu'il y a un moment où on va parler de comment je vais crever ? Non, je repasserai plus tard. C'est ça, ouais. Puis la prochaine fois, tu viens avec le légiste. Puis tu récupères mon pote au passage. Ça vous fera de la place ! Tu me fais honte. C'est ça, ouais. Et toi, file donc te trouver un mec si tu veux pas te retrouver veuve. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? C'est pas le moment, hein. Attends. Attends, je te dis, t'es sourd ou quoi ? Hein ? Et là, tu te barres moi, hein ? Tu te barres moi, hein ? Tu te barres moi ! Oh ! Arrête ! Il n'y a plus rien ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Je suis désolé, ok ? Je suis désolé. J'ai autre chose à faire qu'à gérer vos galineries, moi. Alors, on en reste là pour ce soir, mais je vais vous voir tous les deux dans mon bureau demain matin. Allez, dehors. C'est pourquoi je t'ai fait venir ce matin. On va pas tourner autour du pot. Ton cancer est en rémission. C'est un cancer de stade 3.
À partir de maintenant, il y a tout un protocole qui se met en place. Donc Franck devra rester à l'hôpital encore quelques semaines pour finir son traitement. Mais après, vous pourrez rentrer chez vous. Merci. Merci. Grand désolé. Une dernière chose. Louis Berniac, le clown de l'hôpital, est décédé cette nuit. Je pensais que tu aimerais le savoir. De Louis. Il tenait à vous les remettre. Mais pourquoi? Vous l'aviez beaucoup fait rire. Moi? Louis était impatient de l'hôpital depuis presque 8 ans. Alors qu'à son arrivée, il ne lui restait plus que quelques semaines à vivre. Mais qu'est-ce qu'il avait? Un cancer de l'œsophage. Il devait écrire sur un calepin pour raconter ses blagues aux enfants. Excusez-moi. Je suis désolé. Alors la grenouille dit au nénuphar, non, pas sur l'eau. Elle est nulle ton histoire. Bon, d'accord. Alors, c'est l'histoire d'un ours clown qui pleurait parce qu'il avait perdu son nez rouge. Et sans son nez, eh bien, il ne pouvait plus faire rire les enfants, les oursons. Et ça le rendait furieux, triste et furieux. Et alors, eh bien, l'ours s'accusa de lui avoir volé son nez. Renard, totalement innocent, lui proposa l'enfant pour que son ami arrête de pleurer. Et l'ours refusa, grognant après le petit renard. Alors que l'ours rentrait chez lui, sans avoir écrit son nez, il vit les bébés renards tout seul, en train de pleurer lui aussi. Car leur papa, le renard, était parti à la recherche du nez de l'ours lui aussi. Alors, l'ours se mit à raconter aux enfants renards des histoires, en attendant que leur papa revienne. Et les enfants, ils rigolaient. Et ils chantaient tout heureux qu'ils étaient. Alors l'ours comprit qu'on n'avait jamais perdu son nez, car il était clou. Te plaît mon histoire? Tu veux que je t'en raconte une autre? Ah oui, tu la connais, celle de la pantoufle et de la patate? No sound in this town. Enough with that. When there is you, oh. No, ooh, oh, sound in this town. Enough with that. When there is you, no sound in the day. No sound in this town.
'cause there's no sun in this town. When there is you, no sun in this town. When there is you, no sun in this town. When there is you, no sun in the day, no sun in this town.